Voilà, nous sommes toujours sur ce plateau en direct de Studio 210, l'émission du peuple avec Oshé Ava Myriam, la sentinelle du royaume de Yahweh. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec l'apôtre Benaya Toga Sonao. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Oui, dans le très bien, Seigneur? très très bien. Ok, merci beaucoup. Oui. Avec vous, nous allons parler de la réconciliation des familles, mais surtout du retour à la véritable identité divine. C'est bien cela? Exact. Alors, lorsqu'on dit réconciliation des familles, on dit retour à la vérité, à la véritable identité divine. Quel est le message que vous venez nous livrer en réalité? Bonjour à tous et Shalom Shabbat à tous ceux qui me suivent. Bonjour aussi à Brazzaville. Pour un temps, on était en dehors du Congo-Brazza en mission. Et on a vu votre amour, vos messages et votre détermination à vouloir notre retour. Nous disons merci beaucoup aux cieux de Brazza qui ont manifesté leurs besoins. Et merci aussi à des disciples qui ont compris qu'ils avaient besoin de la formation du royaume et qu'on devait revenir. Et nous sommes rentrés depuis quelques temps, mais on était en retraite de prière, comme j'avais annoncé, le 70 jours. Pour ça, je viens remercier aussi personnellement Diaz, parce que je me rappelle, c'était le 31 décembre 2018 que vous m'avez appelé pour que je vienne. Et vous avez même eu peur de venir et tout ça. Mais il faut remercier Télé-Congo. Je remercie Diaz personnellement et à Télé-Congo aussi, parce que je ne savais pas comment je pouvais arriver à concrétiser, à rencontrer ces gens-là qu'on m'a dit que je trouverais ici dans ce pays, des hommes et des femmes qui croient au continent et qui ont déjà d'ailleurs commencé et qui attendaient mon message de tout va changer, tous doivent changer. Et notre arrivée à la Télé-Congo, nous avons rencontré le pasteur Serge Mbungu, ici. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait attendre ce jour-là, qui était accompagné de l'apôtre. Et quand ils sont venus répondre directement à la télé, nous sommes rencontrés. Je suis rentrée, je suis partie en mission, ils m'ont fait revenir. Et nous avons construit cet hôtel-là de 70 jours parce qu'on devait accomplir Ésaïe 19 en 2019. Donc il fallait construire l'hôtel à l'honneur de Yahweh Elohim pour offrir les sacrifices et prier pour le continent pendant 70 jours. Donc nous sommes allés à la retraite de ces 70 jours. Tout a été fait. Donc on peut dire, grâce au Créateur suprême, tout a été accompli pour 2019. Et pour ça, nous disons merci au Créateur suprême et à la Télé-Congo. D'accord. Alors si nous revenons aujourd'hui au plateau, parce que l'Esprit nous a fait comprendre pourquoi ceux qui ont reçu le message, c'est-à-dire les gens comme moi, qui ont reçu le message sur le bien du continent, qu'est-ce qui s'est fait qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre le message et à bien réaliser la mission. Comme nous savons tous ceux qui ont commencé la lutte pour l'intérêt de ces continents, ils ont mal fini. Leur vie terrestre, bien sûr, leur vie spirituelle, tout a été bien fait, mais la vie terrestre, soit quelqu'un est mort, comme nous connaissons tous l'histoire de Papa Simon Kimbangu et tous les autres qui sont venus après lui. Alors, pendant les 70 jours, on a posé beaucoup de questions au Créateur suprême. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ce continent, chaque fois que quelqu'un commence cette histoire de continent, il finit mal? Si réellement c'est toi qui mandates les gens, comme je viens d'entendre M. Saïd tout dire tout à l'heure, si c'est toi qui donnes le message aux gens, mais pourquoi tu donnes le message et à la fin les choses tournent toujours mal? La réponse a été, nous avons quitté l'identité divine. Parce que lorsque le Créateur suprême se révèle à quelqu'un, le message là qui te donne, qui fait de toi un messager ou une messagère, c'est une essence.
divine, cette essence divine, c'est ça ta véritable identité. Alors, tant que tu n'acceptes pas cette identité, tu ne les témoignes pas, tu ne la vis pas, ça veut dire que tu as maintenant double identité. Tu portes et l'identité humaine et l'identité divine. Alors, nous savons tous que l'esprit et la chair sont toujours en guerre. Petite question, Sentinelle. L'identité divine n'a rien à voir avec la religion. Non, pas du tout. Okay. L'identité divine, c'est le sens, c'est-à-dire le message, le contenu, la vision, la vocation que l'homme a pour quelque chose. C'est ça son identité, sa véritable identité au fait. Alors cette véritable identité, les autres reconnaissent par sa naissance. Les autres, nous apprenons ça après. Les autres, même quand on apprend ça, on a peur de témoigner ça, de dire au monde que non, voilà ce que je suis en vérité. Alors lorsque vous dites retour à la véritable identité divine, ça veut dire qu'on avait perdu... Exactement. On a perdu cette identité. Comment ? Expliquez-nous ça. On a perdu ça, il y a plusieurs manières de le perdre. Soit par peur du monde, d'affronter le monde, tellement qu'il y a l'opposition, tellement qu'il y a des contradictions, tellement qu'il y a, comment je peux dire ça, la persécution. Beaucoup de gens, à cause de ça, ils ont peur d'affronter cette vérité. Et d'autres l'ont perdu. Parce que cette essence s'est nourrie. Plus tu annonces le royaume, c'est-à-dire le message qu'on t'a donné, plus cette essence s'est nourrie et ça grandit. Mais quand tu as peur à cause des persécutions, des attaques et autres, tu calmes, ça pollue. Donc ça perd sa valeur, quoi. Donc ça n'a plus la même forme. C'est là qu'on le perd. D'autres le perdent carrément à cause de la corruption. Lorsque tu te laisses avoir à cause des séductions de ce monde, je veux avoir des maisons, construire des villas, faire ceci, alors que tu as une vocation qui t'a été confiée, que tu dois faire seulement ça. Voyez, donc les autres ont perdu ça à cause de la corruption. Les autres, nous perdons ça à cause de la famille, justement. Parce que le message doit être d'abord compris dans ta famille biologique, humaine, ou ta famille spirituelle, c'est-à-dire la religion, d'où tu viens. Alors certaines personnes, quand il va, tel que dans le cas de Yeshua, quand il a reçu sa divinité, c'est-à-dire son essence, sa véritable identité, il est allé apporter ça dans sa famille. Personne ne l'a reçu. C'est pour ça, nous voyons dans les Écritures, il a dit aucun prophète ne peut être bien reçu chez lui. À cause de ça, sa religion, il a amené ça dans la religion où il était né. La religion aussi était devenue son pire ennemi. Et donc, il n'a pas tout de suite compris que non, il faut que je quitte tout ça. Vous voyez, il est demeuré dans ça et nous voyons comment il a fini sa mission sur terre. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons tous les gens qui croient en lui. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Donc, j'ai vraiment aimé la thématique que les frères viennent de dire tout à l'heure, notre frère musulman qui vient de dire. Donc, ça concorde avec le message que nous disons. Donc, nous devons retourner. Si tu l'as perdu par la corruption ou tu t'es laissé tromper ou tu ne connais pas, on doit faire l'effort de retourner. Alors pour retourner à cette identité-là, il faut d'abord la réconciliation des familles. D'accord. Peut-être que vous avez un complément par rapport à ce que Sentinelle dit. Bien sûr, merci beaucoup. Quand nous sommes arrivés ici avec Serge Bongo, après avoir écouté, j'ai dit voilà la raison pour laquelle je suis au Congo. Je suis au Congo... voir comment nous allons faire pour que ce continent retrouve son identité réelle. Parce que nous, les Africains, c'est comme si nous sommes des mendiants. Tout ce qui se passe sur le continent, on étend la main chez les autres, alors que nous sommes des humains comme les autres. Nous sommes des êtres vivants comme les autres. Mais comment est-ce qu'on arrive à produire les choses par nous-mêmes? On ne crée pas, on ne vante pas les choses qui sortent de nous-mêmes. C'est à cause de cela que j'ai dit non. Après avoir sillonné des pays jusqu'à l'Afrique du Sud, j'ai reçu au-dedans de moi de revenir. L'esprit m'a dit c'est au Congo que tout doit commencer. Uh-huh. Donc quand j'ai écouté Oshihaya, j'ai dit non, cette dame-là détient un message capital. Et ce message m'a poussé de venir ici. Quand il a dit cette chose va s'arriver, va s'accomplir en 2019, mon ministère c'est Courant d'Afrique. Nous intercédons pour l'Afrique. Courant d'Afrique, oui. Vous ? Oui. Ah, d'accord. Nous intercédons pour l'Afrique, pour le bien-être de l'Afrique, comment nous allons faire en fait que ce continent rentre dans son émergence. Voilà un peu, quand je l'ai reçu, automatiquement, nous allons commencer. Et aujourd'hui, vous avez fait les 70 jours. Oui, 70 jours. De prière. Qu'est-ce que nous en retient ? Ce que nous retenons, c'est qu'il faut que chaque individu retrouve d'abord l'identité.
Donc les hommes et les femmes qui croient au bien-être de ce continent, qui croient au bien-être de leur nation, doivent retourner à l'identité divine. On a reçu tout un message qu'on est venu là pour appeler les hommes et les femmes qui sont prêts pour le bien-être de ce continent de venir pour que nous puissions livrer ce message-là. Donc pendant 40 jours successifs, nous allons expliquer ce que l'Esprit nous a fait comprendre pendant 70 jours, pourquoi quand on commence, on finit mal. Et tous les problèmes que nous rencontrons dans nos familles biologiques, dans nos familles religieuses, ce qui est en train de nous étouffer justement, de nous empêcher d'explorer ou encore de bien connaître l'identité que nous portons à l'intérieur. Donc cette essence, cette énergie, c'est pour ça, même quand tu te bats avec toute ta force, avec toute énergie, il y a toujours quelque chose qui te rabaisse et qui te ramène en bas. Donc cette identité-là, nous avons besoin que les gens qui croient au bien-être de ce continent, qui pensent vraiment qu'ils sont nés pour quelque chose, comme j'ai l'habitude de dire toujours ici, j'ai dit, c'est de la dynastie charismatique. C'est qu'ils croient qu'ils ont reçu quelque chose, une charisme venant du Créateur suprême, et que par eux, ce continent va changer. Ils pensent à ça. Ils dorment à ça, ils réfléchissent, ils se disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment nous devons faire? L'identité divine, c'est un peu comme le pain. Quand nous voyons le pain, la forme du pain ou même seulement l'emballage du pain, ce n'est pas compliqué pour qu'on sache de quelle boulangerie ça vient. Vous voyez ? À ce propos, justement, j'ai une question ici. C'est Maître Waka qui m'écrit depuis le Gabon. Il est avec Maître Pierre Pambou. Je vous salue là-bas. Il dit, en parlant d'identité divine, quelle est l'identité divine de la sentinelle, par exemple ? Mais l'identité divine de la sentinelle, c'est ce qu'elle fait. Elle lutte pour l'instauration du royaume. Parce que le royaume du Créateur suprême, c'est quoi? C'est ça mon identité. C'est pour ça que je dis la sentinelle. Je suis la sentinelle du royaume. C'est comme on t'a confié un livre, garde ça. Mais ce livre, tu ne connais pas le contenu. Au fur et à mesure que tu avances, tu apprends ce qui est écrit à l'intérieur toi-même en apprenant aussi aux autres. C'est ça la sentinelle, c'est ça mon identité. Donc je ne dis pas que le royaume de Yahweh Elohim m'appartient. C'est quelque chose qu'on m'a confié. Vous vous identifiez à ça. Mais c'est ça mon identité. Identité, c'est l'identification. Donc on identifie, ça c'est les téléphones, ça c'est rappelé. Est-ce que chaque, on est au Congo ici, chaque citoyen, chaque homme devrait s'identifier, en parlant de l'identité divine, devait se référer à ce que, à votre identité à vous? Non, je ne crois pas que ça soit ainsi. C'est ce que je viens de dire, c'est comme le pain. Il y a plusieurs boulangeries. Chaque boulangerie, on reconnaît la forme de son pain et le contenu. C'est-à-dire, nous qui parlons du continent, nous qui luttons pour le continent, c'est nous avons la même machine. Donc, on a été moulés dans la même boulangerie. Quelles que soient les religions où nous sommes sortis, quelles que soient nos doctrines, quelles que soient nos croyances, moi, je crois que nous venons du même endroit. Sinon, on ne serait pas là en train de lutter pour la même chose. Parce que tout ce qui vient parler de l'Afrique, quand vous les écoutez, parce que comme j'ai dit la dernière fois, j'ai pris 7 ans de ma vie, d'abord 5 ans, d'explorer au milieu des gens qui ont commencé à lutter pour le continent avant moi. Tout le message que moi j'ai reçu pendant 25 ans de mon existence sur la Terre, quand j'ai commencé l'exploration ou encore quand j'ai commencé à explorer, j'ai vu que les gens là, nous avons le même message alors qu'on n'a pas, on ne vient pas de la même chose. Comment ça s'est fait que le message que moi j'ai reçu, je suis allé trouver chez les Kimbanguistes, je trouve chez les églises de Noirs, je trouve chez d'autres frères musulmans, je trouve, c'est là où j'ai compris que quel que soit ce que nous disons, quelle que soit la couleur de peau, on a été créé, on a la même famille en fait. La sentinelle, dans sa vision, dans le message qu'elle porte, vous invitez en réalité tout le monde, peu importe les origines religieuses. Exactement. Ceux qui croient à l'avenir de ce continent, quelle que soit sa religion. Le dénominateur commun, c'est le continent africain. Le continent, c'est ce qui... Donc, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est-à-dire, nous, ce qui est important pour nous d'abord, c'est la famille. Parce qu'on ne peut pas parler du continent si on ne parle pas d'une nation. On ne peut pas parler de la nation sans commencer par la famille. Parce que la religion a fait quelque chose de grave, de diviser les familles. Ça, je crois que tout le monde est au courant.
Alors, chacun dit non, je quitte ma famille parce que ma famille est pauvre, parce que ma famille est sorcière, parce que ma mère est ceci, parce que ma mère est cela. Mais si tu crois que tu as reçu quelque chose de fort, de grand chez le Créateur suprême, je pense que c'est à toi d'aller libérer ta famille de la sorcellerie si tu trouves la sorcellerie. Si tu trouves que tes frères et sœurs sont de mauvaises personnes, toi qui penses que tu es une bonne personne, il est de ta responsabilité de les libérer de cette mauvaise identité. Si tu penses qu'ils ont quelque chose de pas bon, c'est de notre rôle de faire ce travail-là. Voilà pourquoi on a compris que pour qu'il y ait des réconciliations des familles, il faudra que les hommes et les femmes qui croient avoir reçu une identité divine, ils se repèrent que je suis Dieu. Parce que depuis que je suis là, tous les jours dans la bouche de tout le monde, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je suis enfant de Dieu. De quel Dieu il est question? Puisqu'il y a plusieurs dieux. Voyez, combien de dieux il y en a? Alors si tu es enfant de Dieu, donc tu dois être un dieu carrément. Que font donc des dieux? Des dieux créent, des dieux changent. Les dieux sont puissants, les dieux sont immortels, les dieux ce sont des gens qui luttent pour le changement des gens. Les dieux, c'est un bon dieu ou un vrai dieu ne se mettra pas à juger, à critiquer les gens qui manquent de choses et que lui il en a. Vous voyez? Donc tout ce que nous voyons là, on a perdu l'identité. Voilà pourquoi nous disons retour à cette identité. Si tu crois être l'enfant de Dieu comme tu le dis, tu crois être fils de Dieu comme tu le dis, tu crois être serviteur ou servante de Dieu comme tu le dis, il est donc de ta responsabilité de changer ton continent. Il est donc de ta responsabilité de transformer les gens. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? D'accord. Alors, merci beaucoup. Il y a j'ai un message ici de la Sentinelle, c'est Mysterio qui l'écrit et qui l'envoie. Il dit, est-ce que la Sentinelle peut nous dire si Jésus était inconscient de son identité? Parce que selon lui, Jésus, puisqu'il est mort à la croix, est-ce qu'il a perdu son identité? C'est un peu la question qu'il pose. Ben, moi, je ne peux pas parler de Jésus parce que je n'étais pas à l'époque de Jésus. Je ne connais pas de Jésus. Tout ce que je connais de Jésus, je lis dans un livre. Donc, je n'ai pas de certitude si cette livre est vraie, authentique ou faux. La Bible, quoi? Oh, non, je ne parle pas de la Bible, je parle de l'histoire de Jésus, puisqu'on parle de Jésus, là. Donc, Jésus, je n'étais pas à son époque, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je lis dans un livre, comme lui aussi, il a lu dans un livre. Mais selon l'histoire de Jésus que moi, j'ai lu dans la Bible a expliqué que Jésus était né pour accomplir une mission. Moi, je ne pense pas qu'il a perdu son identité. Sa mission était de mourir à la croix pour réconcilier, justement, des familles, pour réconcilier des dieux avec le Créateur suprême, pour réconcilier des rois avec eux-mêmes, puisque toute la terre était en conflit. Donc, je pense que Jésus a bien utilisé son identité, selon ma connaissance et ce que j'ai lu dans la Bible. D'accord. Alors, il y a Ben Rocher, toujours sur le peuple, qui pose des questions. Comment est-il possible de restaurer l'identité africaine si vous êtes attaché à la Bible pendant que... je ne comprends pas trop bien la question. Difficile que je la pose parce que je ne la comprends pas. J'essaye de comprendre ce que la personne dit, pourquoi les gens s'attachent à la Bible. Je veux répondre à cette personne. Vous savez, nous sommes au temps de la liberté. C'est-à-dire, tout le monde est libre de choisir ce que lui pense être vrai pour lui. Vous voyez, si les gens qui croient à la Bible, ils pensent que la Bible est authentique et vraie, laissez-le croire à ceux qui croient. S'ils pensent que ceux qui ont commencé avec la Bible avant, eux n'ont rien fait et que parce qu'ils sont là, ils vont faire quelque chose de merveilleux. Moi, je crois qu'ils peuvent le faire. Tout ce que nous voulons, c'est des preuves. D'accord. Nous voulons des preuves puisqu'ils disent qu'ils peuvent changer. Si la Bible n'a rien fait, eux qui disent qu'ils ne croient pas à la Bible, ils n'ont qu'à faire. Moi, je ne pense pas que ce n'est pas important pour nous d'indexer les gens. C'est les gens-là qui ont mal fait, les autres doivent bien faire. Si vous êtes déjà un grand nombre, je pense que nous tous, nous croyons qu'il y a un être suprême, un seul. Alors, si un seul au milieu de nous croit que lui, il détient la puissance incontournable, il détient une force que personne ne peut le contredire, il n'a qu'à changer le continent. Donc, voilà. Merci beaucoup, la Sentinelle Ocher Ava Myriam, Sentinelle du Royaume de Yahweh. Merci aussi à l'apôtre Benaya Toga Sonaou. Vous partagez, vous avez un même référent, une même identité et vous vous battez pour le continent africain. Nous parlions avec vous du retour à la véritable identité divine. Vous avez
une minute en guise de conclusion. Pour conclure, nous appelons les gens à 31 Ripolokamba, 31 Ripolokamba, Potopoto, pour les gens qui sont à Brazzaville. Ceux qui nous suivent à l'étranger, vous avez notre numéro de téléphone, 06 936 17 03. Lui aussi va donner son numéro. Donc nous appelons aux hommes et aux femmes qui croient qu'ils sont nés pour changer des choses, qui croient qu'ils sont nés pour transformer des choses, qui croient qu'ils existent pour quelque chose. Donc, si tu as perdu l'identité, ce n'est pas un problème. Que tu l'as vendu, que tu l'as égaré, quand tu l'as volé, ça, ce n'est pas un problème parce que nous tous, nous sommes passés par là. Nous pouvons revenir en arrière par la repentance sincère et retourner auprès du Créateur suprême pour qu'il puisse nous redonner ce que nous avons perdu. Et ensemble, lorsqu'on recevra de lui, on reconnaîtra cette véritable identité, c'est-à-dire en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est ce qui nous aidera à faire mieux des choses que nous sommes venus faire et accomplir ce pourquoi ceux qui nous ont précédés ont souffert et c'est en cet instant-là que le continent ne sera plus pareil. Voilà ce que nous pourrons rapidement. Dire. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est le continent nous appartient, l'Afrique nous appartient et les Africains doivent se lever. Vous partez à l'Europe par exemple, quand les Blancs voient deux Africains, ils disent c'est les frères, alors que l'autre sort de l'Afrique de l'Ouest, l'autre sort de l'Afrique centrale. Mais ils disent pourquoi ils se ressemblent. Donc, l'intérieur de nous, nous sommes un. C'est eux qui ont venu nous frontaliser. On doit enlever ces barrières-là. Bon, avant d'enlever ces barrières, il faut que l'on croie à lui-même. Croyons que nous devons faire quelque chose plus grand que ça, plus fort que ça. Et de deux, vous voyez, vous prenez la Mercedes, vous verrez que les Italiens sont à l'intérieur, les Allemands sont à l'intérieur, les Français sont à l'intérieur. Si l'Afrique n'arrive pas à s'unir, comment nous aussi peut composer des choses dans cette unité-là? Donc nous dépendons des autres, mais nous sommes divisés. Donc cette prière-là, nous prions que tous les Africains viennent, Congo-Brazzaville et tous les Africains qui sont là, viennent sur 31 Ripolokamba pour l'intercession et la prière. Donc chaque matin à 6h du matin, nous avions la prière, 15h nous avions la prière et le dimanche matin, on intercède pour le continent. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez parlé du Congo-Brazzaville. Oui. Est-ce que c'est vous qui disiez que le départ, le réveil du Congo partira du Congo-Brazzaville? Oui. C'est bien vous. Oui. Le départ du continent plutôt partira du Congo-Brazzaville. Et vous voyez des signes justement. Voilà. J'aurai l'occasion, nous aurons l'occasion de vous on recevoir reviendra pour parler justement de ça. Et puis voilà. Merci beaucoup. C'était Art et Âme. Merci à la Sentinelle et merci à l'apôtre. Merci beaucoup.